conditions pour que Dieu vienne, Dieu ne serait jamais venu. If my conduct was a condition for God, God will never have come. Aujourd'hui, je suis un saint. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce qu'il a fait. Not because of what I did, pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce qu'il a fait. Not because of what I did, but because of what he did. Qu'est-ce qu'il a fait? What has he done? Il a changé ma place avec sa place. Yes, identification. He changed my place with his. That's identification. Est-ce que tu es là? Lis le nombre jusqu'au verset 23. On était jusqu'au verset combien? Vas-y, jusqu'au verset 23. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Uh-huh. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Rien du tout. Ni la divination contre Israël. Rien du tout. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu par leur œuvre. Est-ce que vous what êtes là? God wrought, not what they had wrought. Après tous le feu de la croix, le feu de l'enfer, et qu'il soit revenu à la vie, et dit, ressuscité, il leur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. After the fire of the cross, the fire of hell, and after he was raised, he told them, behold, I'm with you every day. C'est-à-dire, je vous ai parfumé d'un parfum qui vous accompagne tous les jours. Il y a une fusion qui sera une fusion de tous les jours. There was a merge that will be an everyday merge. Et mon parfum est une personne. And my perfume is a person. Il est le consolateur. He is the comforter. Le Saint-Esprit. He is the Holy Spirit. C'est un parfum spirituel. That's a spiritual perfume. That's a person. Je suis avec toi tous les jours. I'm with you every day. Are you sure? Je pourrais me mettre en colère, je ne suis pas encore un chrétien parfait. Dieu suit. I may be angry, I'm not yet a perfect Christian. He said, are you sure? He said, you don't understand much. Je n'avais commis aucun péché, mais tu étais avec moi par la loi de l'identification. I have not tu seen, moi. But you were with me to the identification law. You were me. Tu as contribué à ma crucifixion. You contributed to my crucifixion. Tu as contribué à mon introduction en enfer. C'est avec ton visa que j'y suis allé, avec ton visage. I went to hell with your face and with your visa. Un visa de pécheur, de transgresseur, of sinner, of de transgressor, maudit. Of a curse. Not done any bad thing. Donc, sans que tu n'aies rien fait de quoi que ce soit de très bon en termes d'action. So without you doing any good thing. Parce good que tu crois en cette identification. Because you believe in that identification. Avec mon visa, toi aussi tu with occupes my ma place. Visa too, you have my place. De même que ton enfer a été mon affaire, mon ciel devient ton ciel. My heaven becomes yours. Tu n'as rien fait pour cela. Moi aussi, je n'ai rien didn't fait pour cela. Anything for that. On so est match égal. Identification. That. So that's the identification. Quel était ses péchés pour qu'il soit en affaire? What were his sins so that he pourquoi veux-tu exhiber tes contacts glorieuses conduites pour dire pour en faire la raison pour laquelle tu es sauvé. Why do you want to show your glorious conduct as the reason why you are saved? Est-ce que la bonne conduite est une mauvaise chose? Non. Is the good conduct something bad? Il y a même des bonnes récompenses pour cela. And there are even rewards for that. Mais je vous ai dit que je ne marche pas comme un homme pour être accepté des hommes, mais parce que c'est ma nature. But I told you that I don't work as a human being to be accepted by my nature. Pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que c'est leur nature. Walk in holiness, not to please anyone, but because it's their nature. Vous croyez que quoi? Les hiboux font un bruit, bouhou, pas parce qu'ils veulent plaire à quelqu'un, mais parce que c'est leur nature. Hearts make a noise, not because they want to please anyone, but because it's their nature. Nous ne jeûnons pas pour payer un prix, mais parce que c'est notre nature. We don't fast to pay any price, but nous aimons la présence de Dieu, passer du temps glorieux avec lui. We spend glorious moments with him. Nous ne prions pas pour que Papa Dieu soit content, mais parce que notre nature, nous avons été invités dans une glorieuse communion et nous aimons lui parler. We don't pray so that God will be happy, but because we have been invited in a glorious fellowship and we like to discuss with him. Croyez-vous qu'ils sont soit sortis d'Égypte à cause de leur conduite ou bien à cause de ce que Dieu avait fait pour eux? Do you think that they left Egypt because of their conduct or because of what God did for them? Question, vous pouvez répondre. Cette identification avec Christ amène la nature de Christ. That identification with Christ brings
Christ's nature. Refusez de vous identifier au péché. Refuse to be identified to the Parce sin. Que vous n'êtes pas un pauvre pécheur. Because you are not a poor sinner. Le pauvre pécheur a été désaltéré, détruit en Christ. The poor sinner was destroyed in Christ. Par ton identification avec lui, la nature pécheresse a été ôtée, altérée, détruite. Identification with him, the sinner nature was removed, altered and destroyed. Maintenant, c'est un juste qui se balade. So now it is someone who is righteous that is there. Donc quand vous serez tombé, so when you fall, refusez de vous identifier à votre échec. Refuse to be identified to your failure. Vous n'êtes pas cet échec. You are not that failure. Je suis la justice de Dieu. I'm the righteousness of God. Au milieu de cette dépendance qui fait que les hommes du monde continuent à s'identifier à vous, à croire que vous êtes toujours les mêmes, proclamez ce que Christ a fait pour vous. In that addiction that makes people of the world to be identified to you and think that you are still the same, proclaim what Christ did for you. Confessez ce qu'il a fait de vous, donne la puissance de vaincre ce que l'ennemi essaye de faire de vous, de dire que vous êtes. To confess what he did for you, give you the power over what the enemy is trying to say that you are. C'est l'un des secrets aussi pour marcher dans la sainteté. That is also one of the secrets to walk in holiness. Proclamez ce que vous êtes. Proclaim what you are. La Bible dit dans Jacques chapitre 3 que les paroles qui sortent de ta bouche donnent une direction à ton corps. The Bible says in James 3 that the words that you utter give a direction to your body. Jacques 3 verset 3 jusqu'au verset 11. James 3 verse 3 to 11. Dites ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas va vous lâcher. La puissance derrière ce que vous n'êtes pas, qui continue à vous malmener, à vous entraîner dans le désordre, elle va céder et la vraie nature va se manifester. Say what you are and the power will be one what you are not, which is go away. Your true nature will be manifested. Avez-vous remarqué un mauvais comportement dans votre conduite? Commencez à proclamer ce que Christ a fait pour vous. Have you noticed a bad behavior in your conduct? Just proclaim what Christ did for you. Peut-être qu'il y en a qui passent par la masturbation. Maybe there are some people doing masturbation. Et à cause de cela, ils vivent dans la condamnation and tout le temps. Because of that, they are always feeling condemned. Proclamez ce que vous êtes. Proclaim what you Regardez-vous are. Regardez-vous régulièrement dans le miroir. Look at yourself regularly in the mirror. Ne proclamez pas ce que, c'est-à-dire vos échecs. Don't proclaim proclamez your failures. Ce que Christ a fait pour but vous. But proclaim what Christ Déclarez did for you. Déclarez votre identification. Declare your identification. Je suis la justice de Dieu. I am the righteousness en Jésus of de God. Nazareth. In Jesus Je of Nazareth. I'm a saint. Seigneur, merci. Lord, thank you. Même quand vous êtes tombé, even when you have fallen, c'est là que l'ennemi veut que vous veniez confesser ce que vous n'êtes pas. The enemy wants you to confess what you are not. Confessez ce qu'il a fait pour vous. Confess what he did for you. Jacob est sans iniquité. Jacob has no iniquity. Et Jacob est dans cette salle. Is Jacob here? Je suis sans iniquité. I'm without any iniquity. Lavé de toute faute. Wash from any transgression. Comme lui, je suis propre. As him, I'm clean. Comme lui, je suis non coupable. As him, I'm not guilty. Innocenté de toute accusation. I've been made innocent from any accusation. Ressuscité avec lui. I was raised with him. Une nouvelle créature. I'm a new creature. Un saint. A saint. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Ça, ça met la puissance de votre vraie nature dans votre corps. It brings the power of your true nature in your body. À force de faire ça, au bout d'un certain temps, vous verrez qu'il y a un genre de choses que vous ne faites plus. As you are doing it, after a while, you will notice that there are certain things that you stop doing. Même si c'est l'alcool. Even if it is alcohol. Vous avez beaucoup se sont battus pour quitter un genre de choses, mais ils ont toujours échoué. Many people have been struggling to abandon certain things, but they have been falling. Proclamez ce que Dieu a fait de vous, on va se lever. Je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. I thank you because I was wonderfully and fearfully made. Quand Jacob célèbre ce que Dieu a fait de lui, ce que Dieu a fait de lui relâche la puissance. When Jacob celebrated what God made of him, it released Et the power. Et ça amène à manifestation la réalité de son héritage. And brings to the manifestation the reality of his inheritance. Nous avons un héritage de sainteté. We have an inheritance of holiness. Marcher dans la sainteté, c'est notre nature, c'est notre Walk héritage. Walking in holiness is our inheritance, our nature. Toute marche est en train de vouloir voler votre héritage de sang. Any other work is trying to steal your inheritance. D'altérer votre nature. And it cannot even proclamez be ce qu'il a fait de vous. Proclaim what he made you to become. Vous verrez que les envies d'alcool ont fui. And you notice that the desires of alcohol are over. Peut-être au bout de trois ans, vous allez dire, oh, c'est la pornographie qui m'intéressait tant, ça fait plusieurs temps.
que je n'ai plus regardé un genre de choses parce que la vraie nature commence à s'asseoir parce que vous la proclamez régulièrement. Maybe after 2 years, you will notice that pornography that was interesting you much, you are no more interested. You are, as you have been proclaiming your true nature, it has been setting in you. Par le mensonge, beaucoup se sont identifiés aux pauvres pécheurs. Through the lies, many were identified to poor sinners. Non seulement ils sont pauvres, mais ils sont pécheurs. They're not only poor, but they are also sinners. Ils ont tellement proclamé ça. They have been proclaiming it so much. Ne te regarde plus selon la chair. Stop looking at yourself after selon the flesh, l'esprit. But after the spirit. Selon ce que Christ a fait de after toi. After what Christ made you to be. Quand on regardait Christ selon la chair, il était sans péché. When you look croix. At Christ with the mais quand after Dieu le regardait selon l'esprit, il était chargé de péché. But when God was looking at him, il after a été the spirit, condamné. He was full of sin and he was condemned. Cesse de te regarder depuis l'extérieur vers l'intérieur. Regarde-toi depuis l'intérieur vers l'extérieur. Stop looking at yourself from outward to inward. C'est depuis l'intérieur que tu vas affecter ton extérieur. It's from your inward that you affect your outward. Et à l'intérieur, tu es parfait. Inward, you are perfect. Tu es un avec Christ. You are one with Christ. Déclare cette perfection. Declare that perfection. Et les faiblesses du corps commencent à se taire. And the weaknesses of your body will les be rébellions silenced. De l'âme commencent à se taire. The rebellions of your soul will be silenced. Le vrai homme émerge. And the true man will just come out. C'est comme ça qu'on se revêt de l'homme nouveau. This is how you put on the new man. On parle en accord avec lui. You speak in accordance with. On refuse with de parler en accord avec la chair. You en accord to avec l'âme. In accordance with the soul. On parle with the en accord avec le vrai homme but qui est toujours en accord avec Dieu. In accordance with the l'homme true man esprit. Who is always in accordance with il est God. Saint. The spirit man parfait. Is holy. He's perfect. Accepté de Dieu. He's accepted by et God. C'est avec lui que Dieu traite. And it's with him that God deals. Il est toujours saint. He's always saint. Où t'es bien fait dans ma vie. Et ta grâce infinie. As from today, you confess outstanding things in intimacy. Tel il est, tel je suis. As he is, I'm also. Ça veut dire que j'ai ses yeux. It means that I have his eyes. Je vois les choses comme lui. I see things like him. Tu es là. J'ai sa bouche. I have his mouth. Quand je parle. When I speak. Même la nature m'écoute. Even nature listens to me. Je fonctionne avec sa sagesse. Il est ma I'm sagesse. I'm using his wisdom. He is my wisdom. Il m'a acquis une rédemption éternelle. He obtained an eternal redemption for me. Je suis un avec lui. I'm one with him. Celui qui m'a vu l'a vu. He that has seen me has seen me. Quand j'apparais, il apparaît. When I appear, he appears. Est-ce que tu es là? Par lui, je suis assis dans les cieux. Through him, I'm sitting in heaven. Hebrews 9, verse 11 to 12. I read. But Christ, being come a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Amen. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son sang, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Ayant obtenu quoi? Une rédemption de combien de jours? Maintenant, on continue du verset 14 au verset 15. Verse 14 to 15. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Amen. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage Amen. Éternel. Amen. The eternal inheritance. Amen. Amen. J'ai bien aimé le verset 14. I like verse 14. On va relire. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Maman, lis un peu en anglais. Si quelqu'un a une autre version qui l'ouvre. Verse 14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Amen. Quelqu'un d'autre n'a pas une autre version? Hébreux 9, verset 14. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang du Christ? Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Amen. Amen. Son sacrifice purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Amen. Sacrifice suppress our conscience for bad works so that we can serve the living God. Amen. Amen. Lisons Hébreux 9, verset 7. Let us read in Hebrews 9, verse 7. But into the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. Verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Une fois par an. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je parle de la croix aujourd'hui. Today's theme is the cross. Et le sous-thème, c'est éternelle rédemption. And the sub-theme is eternal redemption. Hebrews 10, verse 10. Jusqu'au verset, combien? 18. Verse 10 to 18. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest stand daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. Mm-hmm. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemy be made his footstool. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. For how long? Forever.
Whereof the Holy Ghost also is a witness to us, for after that he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws in their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Now where remission of these is, there is no more offering for sin. Amen. Amen. Versets 10 à 18. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes les fois. C'est-à-dire l'acte que je pose, la cause de ta foi. Meaning the act that I'm je te nettoie. Because of your faith. Je te pardonne. I cleanse you, I forgive you. That's a perfect act. On n'a pas besoin de reprendre quoi que ce soit dedans. We don't need to do it again. Je te pardonne tout et je te restitue la vie perdue. I forgive all things to you and I give you back the lost life. Une fois pour toutes. Once for all. Il n'y aura plus jamais besoin de renouveler cela parce que ça ne peut être enlevé, ça ne peut être détruit, not ça ne peut être. To renew this because it cannot be taken away, it cannot be destroyed. Sanctifier veut dire mis à part. Sanctify. Séparer. Put aside. Pas pour quelques heures. Separated, but for a few une hours. Fois pour toutes. But once for c'est all. C'est une sanctification une fois pour toutes les fois. Il n'y aura plus une autre fois. Once for all, there will not be. Any je te mets à part une fois pour toutes. I set you apart. Tu ne te once mets pas for à part, all. Je te mets à you part. You are not setting yourself apart, but I'm setting you apart. La suite. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, leurs sacrificateurs, l'Ancien Testament, sont constamment en train de faire des choses pour que Dieu pardonne. Pour so que Dieu pardonne. The priests of the Old Testament are constantly making things so that God will forgive. Will forgive. Et Jésus lui dit, moi je l'ai fait une seule fois pour toutes. And Jesus says, I did it once for all and that is sufficient as far as we're concerned. Donc mon sang. So my blood. Parce que tu as accepté mon sacrifice. Because you accepted my sacrifice. Tu as cru en cela. You believe in tu it. Tu as cru en ma mort. You believe toi. In my death for you. J'ai dit à quelqu'un ici que la mort de Jésus, c'est la relâche de sa vie. I told you that Jesus' death is c'est the release le paiement of life, de la rançon. Is the payment of the ransom. Donc, comme tu as cru en la rançon, so as you believe in the ransom, ta captivité a cessé une fois pour toutes. Your captivity is over tu once ne seras for all. Plus captif de cette you nature. Will no more be a captive of that nature. Qui conduit les gens dans les ténèbres. That leads people to darkness. Je ne reviendrai plus payer parce que quand je t'achète, je scelle. I will no more come and purchase you because when I did so, I put a seal on you. Satan t'a perdu pour toujours. Satan had lost you forever. L'enfer ne te verra jamais. Hell will no more never see you. Mais comment tu peux dire ça? Il arrivera des temps où je ferai des erreurs. And you say, how can you say it at times? I can make mistakes. Il dit, tu ne peux jamais faire d'erreur. He says, you will never make mistakes. Il parle à qui? To who is he speaking? Il parle au vrai homme à l'intérieur. To the true man inside. 1 Jean 3, verset 9, dit, quiconque est né de Dieu First ne peut John 3, jamais. Verse 9, says that whosoever is born of God. Et qui naît de Dieu dans l'affaire-ci? And who is born of ton God? Ton corps ou ton âme? Is it your body or your soul? Ça commence à chauffer peu à peu. La température monte. La suite dit quoi? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il a cessé le travail. Les sacrificateurs, l'Ancien Testament, chaque jour, il doit offrir des sacrifices pour que Dieu pardonne. Jesus il doit confesser tous les jours. But the priests of the Old Testament, they have to confess every day and offer sacrifices so that God will forgive. Parce qu'ils se sentent pécheurs. Because they leur conscience n'est pas lavée. Ils se sentent endettés. They feel that they are indebted devant Dieu. Before God. Le péché fait que tu n'arrives pas à approcher Dieu. Because of the sin, you cannot go near tu God. Te sens redevable. You coupable. Think that you owe him something. Quand tu as you feel guilty. When you are indebted. Quand tu dois quelque chose à quelqu'un. When you owe something to someone. Quand la personne t'approche.
When the person comes tu to you, fuis. You just feel as running away. Confortable. You are not comfortable tu ne peux pas at bien all. Parler avec la personne. You cannot speak with ta others. Conscience n'est pas pure. Because your ta conscience is not pure. Your conscience is blaming souvent, you. Souvent, s'il t'appelle, tu ne veux pas décrocher. At times, when the person calls, you will not pick up the phone. Et Jésus est passé. And Jesus passed. Visiter tes dettes devant Dieu. And he went to il pay a payé his le prix. He paid the et price, plus que cela, and even more than that, overpayment, surpayment, overpayment. Et maintenant Dieu vient à ta rencontre. Tu and fais quoi? God comes to you. Why are you running away? Je suis là pour t'informer que Jésus a payé le prix pour I'm toi. I'm here to inform you that Jesus paid ne the price. Ne dois plus rien à Dieu. You are not owing anything dans l'économie to God. De Dieu. In God's economy, tout ce que Dieu pouvait te reprocher, everything that God may have blamed you about, he blamed it on et Jésus Jesus. En est mort. And Jesus died because of it. Une fois pour toutes. Once for all. Il a payé le prix une fois pour toutes. He paid the price once for all. Ça veut dire que le paiement qu'il a versé est supérieur à toutes tes vies. It means that the payment that même he si gave is greater than all your lives. Alléluia. La suite dit quoi? En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour combien? Il m'a amené à la perfection pour toujours. He had perfected me forever. Je ne suis pas parfait jusqu'à ce que quelque chose, jusqu'à ce que mon corps fasse quelque chose et mon âme se tombe. Allez, en dans les rébellions. Le I'm vrai moi, là, je suis parfait en continu. My body does something or my soul is rebelled. Continue. I am perfect forever. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Je ne me souviendrai Amen. Plus de leurs péchés, de leurs erreurs. Comment cela? How is it possible? Parce que toutes les erreurs, toute leur vie d'erreur, je m'en suis souvenu en Jésus et Jésus en est mort. In Jesus and Jesus died because of it. Et David a dit. And David said, qu'il est heureux l'homme dont le Seigneur ne voit pas les fautes. That blessed is the man whose the Lord is not seeing sins. Cet homme est un homme rare. That person is. Est-ce qu'il est devenu un Dieu qui approuve le péché? Has he become a God that approves the sin? Pourquoi no. ne te tue-t-il pas malgré tes erreurs? So why doesn't he kill you despite your errors? Parce qu'il a déjà tué Jésus à cause de tes erreurs. Because he has already killed Jesus because faut-il of your errors. Que je bondisse donc dans une vie de désordre? So should I live a righteous living? Romains 6, verset 1 à 3. Romans 6, verse 1 to 3. Il dit, là où il y a déjà eu ce pardon, là où il y a déjà eu, le prix a été payé, on n'a plus besoin de payer un autre prix pour être sauvé. So pour he être... says, when that forgiveness has taken place, when the price has already been paid, there's no other price that you have to pay to be saved. Parfois, on essaie de payer le prix pour rétablir la relation soi-disant brisée avec Dieu. At times, we try to pay the price to re-establish the so-called broken relationship with God. Est-ce que vous êtes là? La relation là n'est pas brisée. That relationship is not broken. D'abord, elle n'a pas été rétablie à cause de ta conduite qui avait changé. Elle a été établie à cause de ce que Jésus a fait et tu as cru en ce qu'il avait fait. It was not re-established because your conduct has changed, but he has been established because of what Jesus did and you believe in him. Il l'a fait pour que Satan n'ait jamais quoi que ce soit qui puisse utiliser pour t'empêcher d'avoir ta communion avec Dieu. He did it so that Satan will never have anything that he can use to restrain you from fellowshipping with God. Est-ce que vous êtes là? That man est un homme saint. He's holy. Est un homme parfait. He's perfect. C'est un homme sauvé. He's someone we say il est chargé d'un héritage éternel. He has an eternal inheritance que rien ne peut détruire. That nothing can destroy.
Il ne peut plus jamais se perdre. He will no more be lost again. Mais il fonctionne avec une âme qui a besoin d'être renouvelée. But he uses a soul that must be renewed. Avec un corps qui est exposé aux choses de ce monde. He has a body that is exposed to the temptations of this world. Le corps peut tomber dans les erreurs. The body may make mistakes. L'âme peut participer au péché. The soul may take part in the sin. Mais ce vrai homme-là, but that true man, créé à l'image de Dieu, created at God's image, ne peut pas pécher. Cannot see. Voilà pourquoi. That is why. 1 Jean 3 verset 9 dit. In 1 John 3 verse 9 it says. Quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Whoever is born of God doesn't see. Ton âme refuse ça. Your soul refuses it, but you are not your soul. Ton corps refuse ça, your body refuses mais tu n'es pas it, le corps. But you are not the body. Est-ce que tu es là? L'homme parfait accepte ça. The perfect man accepts l'esprit it. L'esprit à l'intérieur. The spirit in créé à l'image de Dieu. Created at à God's sa ressemblance. Image, at his likeness. Le corps peut prendre part au péché, ton âme prend part au péché. In your sin, your soul may mais even do so. But that true man, créé à l'image de Dieu, created at God's image, ne peut prendre part au péché. Cannot take part in sin. Il aime les choses de Dieu. He likes God's things. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je te montre cet homme-là. Showing that man to you. Qui ne peut jamais se perdre. That will never be il a lost. Reçu un héritage éternel. He received an eternal inheritance. Cet homme-là est dans ce monde. That man is in this world. Il représente Jésus. He represents Jesus. Dieu veut que tu te vois à partir de cette nouvelle identité qui n'est pas à l'extérieur mais qui est à l'intérieur. God de toi. Wants you to see yourself from that new reality, new identity that is not outward but inward. C'est pour ça qu'il dit change ta façon de te voir et that de marcher. That is why he says you must change your lifestyle. Tu n'es plus le you même. No more see yourself tu as es you né de l'esprit. You are no more the tu same. You are born of the spirit. Foi. To work by faith. Je suis parfait. I am perfect. Créé selon la sainteté et la justice de Dieu. Created after God's holiness and righteousness. Chargé de la vie éternelle. Filled with eternal life. Indestructible. Indestructible. Ephésiens 1, verset 13 à 14. Je te montre cet homme-là. Ephésiens 1, verset 13 à 14. I read. In whom you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Mm-hmm. In whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse 14. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Amen. Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir été exposé à ce que Christ a accompli, par les prédications que vous avez entendues, par l'évangile qui vous a été annoncé. After you heard the preaching of the gospel of what Christ did. Qu'est-ce que Christ a fait? What has Christ done? Il s'est chargé de mes fautes. He bore my transgressions. Et tout ce dont j'étais coupable devant Dieu à cause de mes fautes. And anything that made me to be guilty before God because et toute of my transgressions. Pénalité qui m'est réservée par la justice de Dieu à cause de mes fautes. And any penalty that was prepared for me by God's Jésus justice because of my transgressions. Pris mes fautes, Jesus not only bore my transgressions. Et a subi toutes les pénalités. And passed through all the penalties. Pénalités, he paid for all of them. Toutes les dettes. Or he paid de all the debt of sin. Que j'avais devant Dieu. That I had before God. Jésus les a toutes payées. Jesus paid them all. Toutes. All. Est-ce que vous êtes là? Lis l'affaire là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. And you were sealed. Il n'a pas dit vous avez cru et vous serez scellés. He did not say you believed and you will be sealed. Dieu m'a scellé. God has sealed me. Ça veut dire je ne peux pas me perdre. It means that I cannot lose myself. Quelqu'un voit même ce qui se passe. Ah oh là là. Aïe aïe aïe.
Je sais que beaucoup vous ont dit, à cause de ce que tu as fait avant-hier, tu viens de perdre la rédemption, tu viens de perdre le salut. I know that many people told you, because of what you did 2 days ago, you have just lost your salvation or your redemption. Je suis sauvé non à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que lui il a fait. I'm saved not because of what I did, but because of what he did. Et je ne me suis pas scellé. Il a reconnu ma foi. Il a reconnu que quelque chose s'est produit à moi et il m'a scellé. And I have not sealed myself. He acknowledged that something took place in me and he sealed me. Le sceau est un gage de sécurité. The seal means that it is secure. Et dit, tu m'appartiens. It says you belong to me. Tu es à moi. You belong to me. C'est un gage de protection. It shows that you are protected too. Quelqu'un est scellé ici. Someone here is sealed. Tu ne t'es pas scellé. You have not sealed yourself. Donc tu ne peux pas enlever les scellés. So you cannot remove the seals. Ton âme peut avoir des petits désordres et ton corps, mais le vrai homme est scellé. Your body or your soul may have avec some disorders, qui lui est but the true person is sealed with a place that is guaranteed in eternity. Le sceau symbolise quoi? The seal is the symbol. De ton vivant, je ne t'ai pas tout donné. When you were living, I have not given you tout everything. Tout n'est pas manifesté. Everything is not manifested. Le sceau est une assurance que pour tous, tout le reste qui n'est pas manifesté. The seal is the assurance that for all the things that are not yet manifested, one day, all those things will come. J'aime surtout 2 Corinthiens 5, verset 5. Il parle de nous avons reçu les arts de l'esprit. In 2 Corinthiens 5, verset 5. 2 Corinthians 5, verse 5. Comment Dieu peut me sceller? Et parce que j'ai fait 2 erreurs hier et je me suis décelé. How is that God sealed me? And because I did 2 mistakes yesterday, I've been to seal. Who made the errors? Mon corps a fait ses erreurs, mon âme a fait ses erreurs, mais le vrai moi-même est saint, juste. My body and my soul make some errors, but the true me is holy, is sealed with eternal life. Il traite lui-même avec 2 rebelles qui ne l'écoutent pas toujours. It deals with 2 rebels that do not always listen to him. Le corps et l'âme. The body and the soul. Shakata brakata. 2 Corinthians 5, 5. 2 Corinthians 5, verse 5. Now, he that had wrought us from the for the selfsame thing is God, who also had given unto us the hearness of the Spirit. The hearness. 2 Corinthiens 5, verset 5. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Il nous a donné quoi? Art veut dire garantie. Le Saint-Esprit qui t'a scellé. Guarantee. The Holy Spirit who sealed you. Dieu dit, c'est la garantie. God says that's a warranty tu m'appartiens déjà. That you belong to me henceforth. Je t'ai déjà acheté. I've already bought you. Racheté. I've already redeemed si you. Je suis parti. So even if I have left, sait que tu es scellé. The universe knows that you are sealed. C'est comme un gars. Hey. C'est comme un gars qui vient ici, vient de, je ne sais pas de quelle partie de l'Europe, et vient épouser une fille ici. It's like a man that comes in this country from Europe and marries a woman here. Et qui se déplace pour 5 ans. And he travels for 5 years. Il dit c'est dans 5 ans que les documents qui doivent nous rassembler vont sortir. He says in 5 years we have the documents that must lead us to be together. Mais je refuse de venir t'épouser dans 5 ans. But I don't want to marry you in 5 years. Je t'épouse maintenant. I marry you now. Et il prend le gage. And it takes il met. The seal and puts it. Je porte un gage sur la main ici. I have a seal in this hand. C'est-à-dire que lorsque les femmes me voient, disent, oh, ça vaut plus la peine. When women see me, they say it is worthless. C'est une peine perdue. You are just we don't want to waste our time. Vous êtes là. Je porte quelque chose en moi. I bear something in me. Satan sait qu'il a perdu. Satan knows that he has lost. Quelque chose que peut-être toi-même tu ne voyais pas. Something maybe that you were not seeing. Tu es là. Dieu ne divorce pas. God does not divorce. Tu peux pas perdre ça. You cannot lose it. Les arts de l'esprit, nous portons les arts de l'esprit, ça veut dire quoi? The hearness of the spirit, what's the meaning? Nous portons les gages. We bear
The pledges. Le fait que tu sois né de nouveau, né de l'esprit. The fact that you're born again, born marqué of the spirit, par le Saint-Esprit. Marked with the Holy Spirit. C'est un gage. Is a pledge. Ephésiens 4, verset 30. Ephésiens 4, verset 30. Ça veut dire la totalité de la rédemption arrive. It means that the entirety of redemption is coming. Sur le plan de l'esprit, tu es mais totalement acquis. Spiritually, you totally belong to me. En fait, même ton âme et ton corps m'appartiennent. Even your soul and your body belong to me. Mais tu es ici pour quelque temps. But you are here for a certain time. La rédemption de ton âme va être progressive. The redemption of your soul is gradual. Au fur et à mesure que tu es enseigné. As you are taught. Tu es enseigné. Over and over. Il y a des renouvellements dans l'âme. Your soul will be renewed. Elle a pris à vivre dans la rébellion. Your soul was living in rebellion. Pendant la longue période où l'homme esprit était mort. During the long period where the spirit man was dead. Vient de se réveiller. Now the spirit man is awakened. L'âme a besoin d'être formée. So the soul must be trained. Rééduquée. Must be re-educated. Elle est chargée de ce qu'elle a entendu. It has some, the things that he prise. Heard, that ses he traditions. Learned, his traditions, ses peurs. His fears. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Be transformed by the renewing of your mind. Maintenant le corps, now the body, à force de vivre dans un environnement, as he was living in an environment, le sang, the blood, les sensations, the feelings, et toutes ces choses auxquelles il s'est habitué, to which do we use, vous êtes là. Le vrai homme à l'intérieur. The true man is inside. Mais de temps en temps. But at times. Le corps manifeste des faiblesses. The body has weaknesses. Est-ce que le vrai homme est perdu? Non. Is the true man lost? Est-ce qu'il no. participe aux rébellions de l'âme et du corps? Non. Is he taking part the rebellions of the soul and the body? No. Lui, il est sauvé une fois. He is saved once. Et c'est lui le patron. And he's the boss. Il est scellé. He's sealed. Est-ce que vous êtes là? Et le corps c'est cela. And et the body knows cela. It. The soul knows it. Donc apprends à te regarder non de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. So you must not look at yourself from outward to inward, but from inward oh, to outward. Oh, j'ai encore fait des couches de nuit. Oh, I had wet dreams again. Dieu ne fait pas de couches de nuit. God doesn't have wet dreams. Il est fait à l'image de Dieu. He's à made sa ressemblance. At the image and likeness of God. Selon sa pureté et sa sainteté. According to his purity and holiness. Il est parfait. He's perfect. Il est juste. He's righteous. Il porte la nature même de Dieu. He bears God's nature. Oh, je suis un pauvre pécheur. Oh, I'm a poor sinner. Il dira à l'âme, si tu es pécheur avec le corps, c'est vous là-bas. Moi, je suis un the spirit saint. Will say to the je soul, if you are Dieu. A sinner with your body, I'm someone who is holy. I'm the righteousness of God. L'esprit parle en accord avec Dieu. The spirit speaks in accordance with God. L'esprit marche dans la foi. The spirit works in faith. Sans regarder les apparences. Without looking at the appearances. Elle déclare les choses qui ne sont pas dans les apparences it comme si elles sont déjà. Declares things that are not existing apparently as if they are already existing. À force d'intimer au corps, de décréter au visible les choses qui sont déjà dans l'invisible. As you are saying, ordering to the visible the things that are already in the invisible. Elle relâche la puissance dont elle est chargée, qui soumet le corps, the power qui soumet l'âme. It releases the power that is feeling it, and that will submit the body and the soul. C'est ça qui relâche le stock de puissance qui est en elle. This is how the stock of power in it is parce que l'âme et le corps ont déclaré des choses en accord avec le vrai homme. Because the soul and the body declared things in accordance with the true man. Matthew chapter 20:28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Matthieu chapitre 20 verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Donner sa vie. Il porte quel life. Type de vie? Which kind of life does he have? Le type de vie de Dieu. The kind of life of God. Il est un homme au milieu des hommes, mais il porte une vie différente de la vie des hommes. He is a man with men, but he, the life that he has is different from the life that men il porte has. L'éternité en lui. He is carrying eternity in him.
Il porte quelque chose qui ne peut être détruit. He's bearing something that cannot be destroyed. Il ne fait pas que la porter. It does not only bury. Il est l'éternité. He is the eternity. Est-ce que vous êtes là? Et il va céder sa vie. And he will give his life. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. He said, I came for my sheep to have life. Donc je suis venu pour que ces captifs de cette condition d'où ils ne peuvent sortir. So I came to the captives of that condition where they cannot reçoive ce qui ne se trouve qu'à moi. Receive what is only in me. Afin qu'ils soient délivrés de cette captivité. So that they might be delivered from that captivity. Et la délivrance que je leur donne. And the deliverance I give to them. Ne dure pas le temps d'une heure. It's not for an hour. Ce n'est pas jusqu'à ce qu'ils recommettent encore une faute. Until they make a transgression and they die again. Je leur apporte une délivrance éternelle. I'm bringing them an eternal deliverance. An eternal redemption. Je leur apporte quelque chose qui fera que la mort ne pourra plus triompher d'eux. I bring them something that will make death not to overcome them anymore. Cette chose est leur délivrance du pouvoir du péché. It's their deliverance from the power of the sin. De leur nature pécheresse. Of their sinner nature. Et elle vient par mon sacrifice. And it comes through my sacrifice. Offrir ta vie, il faut que tu meurs. To offer your life, you must die. Donc il est venu pour offrir sa vie en rançon. So he came to offer his life as a ransom. On peut aussi dire il est venu pour mourir. We can also say that he came to die. Parce qu'en mourant, on perd sa vie. Because when you die, you lose your life. Est-ce que vous êtes là? On peut aussi dire qu'il a versé de son sang. We can also say that he shed his blood. Parce que le sang, c'est la vie. Because blood is life. Et ce n'est pas tout simplement qu'il s'est fait scarifier et il a perdu quelques gouttes de sang. Il a cédé sa vie. Was not scarified and did not lose drops of blood, but he gave his life. Et par l'acte qu'il a posé. And to the act that he did. Tous ceux qui croient en lui. All those who believe in him. À ce qu'il a fait. In what he did. Ils obtiennent de lui. They obtained from him une rédemption éternelle, an eternal redemption, un rachat éternel, an eternal un redemption, salut éternel, an eternal salvation. C'est moi qui écris cela. Il nous a obtenu un salut éternel. He obtained an eternal salvation for us par son sacrifice. Through his sacrifice. Il nous a obtenu un salut éternel. Et dans ce salut, an eternal salvation. Il in that salvation, nous a pardonné toutes nos fautes. He forgave all our transgressions. Toute ta vie. All your life. Il a regardé toutes les fautes de ta vie. He looked at all the transgressions of your life. Et par son sacrifice éternel. And through his eternal sacrifice. Il t'a accordé le pardon pour toutes les fautes de ta vie. He granted forgiveness to you for all the transgressions celle of your life. Que tu as commise hier. The one that you did yesterday. Que tu as commise aujourd'hui. Today. Que tu commettras and demain. And that you do tomorrow. Dans son économie. In tout economy, cela a été viré dans le compte de Jésus. All those things were transferred in Jesus' account. L'éternité s'est rabaissée au point the de mourir. Eternity belittled itself to the extent that it died. Pour que le temporaire entre dans l'éternité. So the temporary will enter in eternity. Je sais que vous avez été dans beaucoup, vous avez été exposé à beaucoup d'enseignements. I know je ne veux pas attaquer qui que ce soit. Various teachings. I'm not attacking anyone. Je veux tout simplement aller pas à pas dans les Écritures. But I'm just explaining you the scriptures step by step. C'est ça la bonne nouvelle. That is the good news. Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, les sacrifices, the sacrifices que les prêtres faisaient régulièrement, that the priests did regularly, du temps de la loi de Moïse, in Moses' time, ils faisaient par exemple, le grand prêtre faisait par exemple, for instance, the high priest, tous les ans, made yearly, un sacrifice au nom de tout le peuple. A sacrifice on the behalf of all the people. Devant l'Éternel. Before the Lord. Afin d'obtenir. To obtain. Non seulement le pardon pour toutes ses fautes. Not only the forgiveness for all his transgressions. Mais le pardon pour toutes les fautes de la communauté. But also the forgiveness for all the transgressions of the community. Mais ce pardon avait une validité d'un an. But that forgiveness was valid for 1 year. Donc l'agneau qu'on égorgeait prenait toutes les fautes d'Israël de l'année. So the lamb that was slain was taking all the transgression of Israel for that year.
Et quand on le tuait, and when it was slain, est-ce que vous êtes là? Puisque cet agneau représentait tout Israël. Because that lamb was representing all Israel. C'était toute la colère de Dieu contre le péché d'Israël qui était symbolisée par la mort de cet animal. The wrath of God against the sins of Israel was symbolized by the death of that animal. Cependant, but lorsqu'on traite du problème du péché dans l'Ancien Testament, when you deal with the problem of sin in the Old Testament, on ne traite que de la question des actions mauvaises. They are only dealing as far as evil deeds are concerned. Et non de la question de l'enlèvement de la nature. But they are not dealing with the removal of the nature that brings the sin. Est-ce que vous êtes là? Donc il recevait un pardon, il dit, ils recevaient un pardon qui ne couvrait que leurs actions. So they received a forgiveness that was only covering their actions. Et la nature qu'on appelle le péché, la nature du diable en eux résidait. And the nature of the devil in them called the sin remained. Et ils vivaient consciemment, et le diable excitait consciemment leur conscience. And the devil was constamment leur conscience, constantly exciting their conscience, pour les rappeler qu'ils sont des pécheurs, to recall to them that they are sinners. C'est pour ça que malgré un an, that is why despite one de pardon que Dieu leur accordait, of forgiveness that God granted to them, tous les jours il fallait qu'ils reviennent encore demander pardon. Every day they had to come to ask for forgiveness because they were constantly feeling guilty. Parce que la puissance de la culpabilité, l'accusateur, était toujours ancré dans leur être. Because the power of guilt, the accuser, was still in their being. Est-ce que vous êtes là? Mais pendant un an, but during one year, le sacrifice là, that sacrifice qui était offert, offered, qui était brûlé au feu là, that was burned on fire, libéré en faveur d'Israël, that was made for Israel, une odeur d'animal released brûlé, released for Israel the odor of a burned animal, qui les couvrait pendant un an, that covered them for one year. Ça veut dire que même quand tu as lavé tes habits, it means that even when you have washed your et clothes, l'odeur de l'animal brûlé ne sent plus, and that you are no more smelling the odor of the burnt animal, ça n'exclut pas que le pardon de Dieu court toujours dans ta vie pendant un an. It does not mean that the forgiveness of God is no more in your life for one year. C'est pas que dans Nombre 23, that is why in Numbers 23, lorsque ce sorcier qu'on appelle Balaam décide de maudire Israël, when Balaam the witch wanted to curse Israel, il fallait qu'il trouve un péché contre Israël devant he Dieu. He had to find a sin against Israel before God. Et lorsqu'il a regardé devant l'économie de Dieu, and when he looked in God's economy, dans le compte d'Israël, il ne se trouvait aucun péché. Israel's account, there was no sin. Et il disait, je ne vois aucun péché en Israël. And he was saying, I don't see any sin in Israel. Il disait, Dieu ne voit aucun péché au milieu de son peuple. He was saying, God is not seeing any sin in his people. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, ils avaient obtenu un pardon qui couvrait une période d'un an. Meaning, they had a forgiveness for one year. Parce que le sacrifice était aussi temporaire. Because the sacrifice too was temporary. Il offrait une solution superficielle pour la question de leur rédemption. It was giving a superficial solution as far as the redemption was concerned. Est-ce que vous êtes là? Donc voilà pourquoi leur prêtre entrait chaque année avec un sacrifice devant l'autel de l'Éternel pour implorer Dieu, pour que Dieu leur accorde le pardon. So that is why your priest went every year with a sacrifice before the altar of the Lord so that God will grant them forgiveness. Donc il entrait dans le sanctuaire pour obtenir pour Israël une rédemption superficielle d'un an. So they entered the sanctuary to obtain for Israel superficial redemption of one year. Mais Jésus par son sacrifice. But Jesus through his sacrifice. Parce que pour qu'un sacrifice soit légal, because for a sacrifice to be legal, il doit être présenté par un sacrificateur. It must be presented by a priest. Jésus est devenu souverain sacrificateur. Jesus became high priest. Afin de pouvoir s'offrir à Dieu. To offer himself to pour God. Pour chacun de nous. For each of us. Est-ce que vous êtes là? Donc il a offert sa vie. So he offered his life
En d'autres termes, il a perdu sa vie. In other words, he lost his life. Parce que l'homme qui se charge de péché doit perdre sa vie. Because the person that carries, that bears the sin, must lose his life. Jésus s'est offert à Dieu. Jesus offered himself to God. Afin que toutes les fautes de l'humanité, so that all the transgressions of mankind, viennent sur lui. Will come upon him. Est-ce qu'il y a un homme ici? Lui. Him who? Lui le sacrifice parfait. Him the perfect sacrifice. Lui qui? Him who? Lui le porteur de la vie par excellence. He the ultimate bearer of life. Nous n'avons pas affaire à une simple chèvre ici ou un bouc comme dans l'Ancien Testament. We are not dealing with a goat or a bull as in the Old Testament. Lui qui? He who? Lui porteur de l'éternité en lui. Lui the l'éternité. The bearer of eternity, the eternity itself. Il s'est offert. He offered himself. Lui, je porte leur péché. Say, I bear the sin. Attention, si tu portes leur péché, tu devras perdre ta vie. Where if you bear your sins, you will lose your life. Il dit, j'accepte. He said, I accept. Par amour pour toi et moi. Out of love for you and me. Dieu est devenu un homme. God became a man. Afin de donner, de payer la rançon qu'aucun homme ne pouvait payer. Pour la restauration de la relation de l'homme avec Dieu. To pay the ransom that no one was able to pay to restore the relationship between God and man. Parce que dans le monde naturel, because the natural world, si tu perds ta vie, if you lose your life, cela te sépare de ta femme et de tes enfants et de tes amis et de ton emploi. You are separated from your wife, your children, your friends, your job. Mais si tu retrouves la vie, but if you have life once more. Ça te ramène ta femme, it tes enfants, ta maison, you, ton your emploi, wife, tes your relations, house, your relationship, your children. Dans le retour de la vie, est-ce qui te réconcilie avec les vivants? So the coming back of life is what reconciles you to the living. Lorsqu'un captif est libéré, il sort et il retrouve sa famille. When the captive is set free, he leaves the captivity place and goes back to his family. Dieu, notre Créateur, est notre réelle famille. God, our Maker, is our true family. Donc, ce que Jésus a fait, so what Jesus did, nous a obtenu, obtained for us, un héritage pas pour quelques heures, an inheritance not for few hours. Est-ce que vous êtes là? Donc quelque chose s'est produit dans ton homme esprit lorsque tu as dit oui à Jésus. So something took place in your spirit mind when you said yes to Jesus. La vie de Dieu est revenue. God's life came back. La vie que Jésus a offert, la vie éternelle. The life that Jesus offered, eternal life. Dans cet homme esprit. It was put in that spirit cet man. Cet homme esprit a été recréé. That spirit man was recreated. À l'image de Dieu. At God's image. Il est parfait. He is perfect. Est-ce que quelqu'un ici? Je parle de cet homme esprit, de cet esprit. Talking about that spirit man, that spirit. Il a reçu la vie éternelle. He received eternal life. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Verset 24. Je te parle de cet homme nouveau. Verse 24. Que talking tu es about devenu. The new man, the person that you became. Cet homme, cet esprit. That man, that spirit. Regarde ce qu'il est devenu. Look at what he became. Ephésiens 4, verset 24. Ephésiens 4, verse 24. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Amen. Ephésiens 4, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il est dans une justice, il est créé selon Dieu dans une justice. Is created after God in righteousness. Et une sainteté. Que produit la vérité? And true holiness. Ephésiens 4, verset 30. Ephésiens 4, verse 30. La religion qui la tête de quelqu'un aujourd'hui. Religion leaves someone's mind today. Ce que Christ avait. What Christ did. L'odeur qu'il a relâché dans mon homme esprit. The odor that he released in my ce spirit n'est pas pour mind, un an. It's not for one pour year. Toute l'éternité. But for eternity. Voilà pourquoi je ne peux pas perdre ma position. That is why I cannot lose my position. Elle ne m'a pas été donnée comme récompense de ma bonne conduite. It wasn't given to me as a reward for my good conduct.
Elle est l'expression de sa bonté pour moi et j'ai cru en lui. Expression of his goodness for me and I have believed in him. Il dit vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. It say that you believe and you have been sealed with the Holy Spirit. Vous ne serez pas scellés, vous êtes déjà scellés. You will not be sealed, you are already sealed. Et qui enlèvera les sceaux? And who will remove the seals? Je sais que vous avez des passages bibliques. I know that you have some Bible passages. Lis Ephesians 4 verse 4, verset 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de quelle rédemption? Whereby you were sealed unto the day of which redemption? De quelle rédemption parlons ici? Which redemption are you talking about? Puisque vous êtes déjà scellés. Because you are already sealed. Il parle de la rédemption du corps. So it talks about the redemption of the body. Il arrive un temps at a certain time où votre corps your body sera délivré de la présence du péché. Will be delivered from the presence of the sin. Où il ne sera plus jamais malade. It will no more be sick. Un corps éternel, un corps céleste. An eternal heavenly body va remplacer votre corps. Will replace your body. Richesse que Christ nous a acquise dans cette rédemption. It is among the riches that Christ obtained for us in the redemption. Mais même en attendant que ce corps-là se manifeste. But as you're waiting for the manifestation of that body. Le vrai homme, l'esprit. The true man, the spirit. Il manifeste déjà son influence dans votre corps naturel aujourd'hui. Will manifest influence in your natural body today. Il recrée dans ce corps naturel un environnement céleste. It recreates the natural body, a heavenly environment. Je ne peux plus jamais être malade. I will never be sick again. Ça, c'est l'homme esprit qui parle. That's a spirit man that speaks. Il relâche les paroles même de l'Éternel. It releases the words of the Lord. Et le corps palpite. And the body is shaking. Le patron a décrété. The boss has decreed. Le créateur a décrété. The maker has decreed. L'homme à l'image de Dieu, le patron a décrété. The man who is made at God's image has decreed. Cet homme esprit est le Dieu de Satan. That spirit man is the God of Satan. Il est une autorité qui parle. He's an authority that speaks. Il prend autorité dans le corps et il chasse les problèmes. It takes authority in the body and casts out problems. Est-ce que vous êtes là? Cet homme-là est sauvé pour toujours. That man is saved forever. Quoi que les petits désordres du corps peuvent perdre cet homme-là? Non. You think that the disorders of the body can make that man to be lost? Oh Dieu, no. Moi, je suis vraiment un pauvre pécheur. Oh God, forgive me, I'm a poor sinner. Who speaks? Ça veut dire que Jésus a échoué. So it means that Jesus failed. Rentrons dans Hébreux 9. Let's just read again in Hebrews 9. Lorsque vous commencez à comprendre ces choses, vous entrez dans la présence de Dieu, vous parlez à Dieu avec une conscience libre en permanence. When you understand such things, will you speak to God with a conscience that is free? Tout vous a été pardonné. All things were forgiven to you. Hébreux 9. Hebrews 9. Et quelqu'un me dit, mais tu dis ça, tu veux les exciter à bondir dans le péché. And someone will say, as I'm preaching like that, I will lead you. Ils bondissaient déjà dans le péché avant que je ne leur dise. They were already seething before I said it. Mais je vais vous dire tout de suite beaucoup de choses qui vont vous aider à comprendre beaucoup de choses. But I will tell you many things so that you understand. Hébreux 9, verset 24 à 28. Hebrews 9, verse 24 to 28, I read. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Nor yet that he should offer himself often as the high priest entered into the holy place every year with blood of others, for then he must often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world had he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Mm-hmm. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Amen. Amen. Hébreux 9, verset 24 à 25. Car... 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitant,
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Tu as vu? Il dit, je vous représente devant la face de Dieu. He says, I represent you before God. Ce n'est pas un héritage de quelques heures. It's not an inheritance of few hours. Vous pensez que pour vous, devant la face de Dieu, je serai impur de temps en temps? You think that at times for you, I will be unclean before God. J'ai décidé de vous représenter. I have decided to represent you. Pas parce you. Que votre conduite a changé. Not because your conduct has changed. Mais parce que vous avez simplement cru. But just because you believed. Est-ce que vous êtes là? Il me représente de jour comme de nuit. He represents me day and night. Si ton représentant est impur. If your representative is unclean, you are unclean. Il me représente devant Dieu. He represents me before God. Et je le représente devant les hommes. And I do represent him before devant les situations de la vie. Before life situations. Devant les maladies qui se présentent. Before diseases that come. Il dit, tu es mon représentant ici-bas. He says, you are my representative here. Quand on tu earth. Apparais, c'est moi qui apparais. When you appear, I'm the one who appears. Je suis ton représentant en haut. I'm your representative quand j'apparais, in heaven. C'est toi qui apparais. When I appear, you're the one appearing. Parce que je suis accepté, tu es accepté. Because I'm accepted, you are accepted. Est-ce que vous êtes là? Il apparaît devant Dieu pour nous. He appeared before God for us. Devant ce cancer, c'est lui. Quand tu apparais, c'est lui qui apparaît. Before that cancer, when you appear, is the one appearing. Voilà pourquoi il n'a pas de chance de résister. That is why it cannot withstand. Je dis ce problème n'a pas, ce diable n'a pas de chance. That devil cannot withstand. C'est que lorsque nous commençons à comprendre cela. So when we understand this. Vous êtes assis devant quelqu'un qui est surchargé. You are sitting in front of someone who has many things. Vous n'avez pas encore ouvert la bouche. You have not yet opened your mouth. Et Satan pleure. And Satan is crying. On a vu beaucoup de cas. Après he had many cases. As soon as someone entered. Et puis voilà qu'elle est en train de tomber. The person is just fainting. Tu tombes quoi? Why are you fainting? Ne cesse de te regarder sous le mauvais angle. Stop looking at yourself in the wrong angle, le from the wrong perspective. Est à l'image de Christ. The true man is selon a Christ sa image. After his likeness, Saint. Holy. Il dit chargé de sa présence, de sa puissance. Full of his power and his presence. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas n'importe qui. You are not anyone. Le temps est arrivé où vous entrez quelque part. Puis les gens commencent à guérir sans que vous n'ouvrez la bouche. The time has come for you to go somewhere and people will just parce see que vous entrez, Jésus entre. Because when you come in, it's Jesus who comes Jésus in. Jésus entre devant son Père, Zohar entre. Jesus goes before his Father. Il me voit aussi saint que Jésus. Him. He sees me as holy as Jesus. Ça c'est un héritage éternel. Dans le verset 9 ici, nous avons le verset 15. Afin de nous donner un héritage éternel qui avait été promis. To keep us the eternal inheritance that was promised. Éternel c'est jusqu'à quand? Eternal is for how long? Parce que beaucoup croient qu'aujourd'hui ils sont sauvés. Many believe, many think that they are safe today, they are no more safe tomorrow. Vous êtes là. Ils croient qu'à moins qu'ils ne confessent tout jusqu'à même ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ont oublié. They think that unless they confess everything, even the things that they have forgotten, ils ont perdu leur salut. They have lost their salvation. Ils sont nés de nouveau, renés de nouveau, nés encore de nouveau et renés de nouveau. They are born again, born again, again, born again, again, again. Donne plus. That's not it. Ça veut dire de temps en temps je meurs. So at times I die. Dieu là. Et je renais de nouveau. And I'm born again. Et tu renais de nouveau sur quelle base? So on which basis are you born pour again? Pour que tu renaisses de nouveau, Jésus doit encore venir mourir, non? For you to be born again, Jesus must come again to die. Ça veut dire que tu as enlevé le sceau. It means that you have removed the seal. Et qui aurait enlevé le sceau de l'esprit? And who? Ton âme qui est tombée dans le désordre de ton corps. Is it your body or your soul that were doing disorder? Lis la suite. Verset 25. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde
tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Le péché est aboli. The sin is put away. En ce qui te concerne, aboli. Put away or aboli as far as you're concerned. Et te voit comme Jésus. God sees you just as Jesus. Aboli. Aboli. Donc on va dire je suis un pauvre pécheur sauvé par la grâce. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Quand so, il te sauve, tu n'es plus pécheur. If you say I'm a poor sinner saved by grace, it means that you are not saved because when he saves you, you are no more a sinner. N'a rien foutu pour toi. It means that his sacrifice did not work for you. En réalité, tu es coupable parce que tu es coupable, mais parce que tu es ignorant. In fact, you're guilty not because you are guilty, but because you are ignorant. En réalité, ta conscience est constamment chargée de péché quand tu veux prier, pas parce que Dieu te condamne, mais parce que tu es dans l'ignorance. In fact, your conscience is full of sins when you want to pray, not because God condemns you, but because you are ignorant. Place devant Dieu, tu te sens endetté, tu te sens pécheur. But it means that you stand before God, you feel indebted, you feel et as a sinner. Et tu veux payer le prix. And you want to pay the price. Tu veux faire quelque chose. You want to do pour something. Pour que le péché que tu sens dans ta conscience soit enlevé. So the sin that you experience in your consciousness oh, la Bible will dit, be removed. Par son sacrifice, il a enlevé une fois pour toutes. But the Bible says that through sacrifice, it took away once for all. Est-ce que vous êtes là? Et parfois, quand on est tombé dans une erreur, et puis on te dit, oh, si je prie beaucoup, beaucoup plus, oh Dieu! And at times, when we made a mistake, we think that if on we pray more, fort, we fort. Confess our sins over and over. On dit peut-être, il faut que je fasse l'évangélisation pour que Dieu me pardonne. And at times, we say, I must do evangelization so God will forgive je me. Je vais faire une grosse offrande pour que Dieu me pardonne. I will give a big offering so God will forgive fait, me. Tu essaies de payer le prix de quelque chose dont le prix est déjà payé. You are trying to pay the price for something that for which price has already been paid. La validité du prix payé n'est pas jusqu'à ce que tu commettes une erreur et qu'il faut que Jésus vienne encore mourir pour payer. The price that is paid is not until you make a mistake and that Jesus has to come and pay the price again. Il y a des Mastercard que lorsque tu la mets quelque part, l'argent est toujours rempli dedans. Que même si tu as pris n'importe quel crédit, on dit que non, à cause de ton compte. Le crédit là ne suffit rien. There are some Mastercards. When you use them, you always have this always money inside, even no matter the kind of credit that you have taken. Le prix est payé. The price is paid. Pas pour quelques minutes. Not for a few minutes. Mais pour toute ta vie. But for all your life. Il a regardé toute ta vie. He looked at all your life. Et il a tout pris. And he took il a mis dans son all compte. Things. He put it in his account. Et il a souffert. And he suffered. Parce qu'il a vidé ton compte de péché devant because Dieu. He emptied your account of sins before God. Est-ce que vous êtes là? Donc quand tu tomberas demain, dis j'avais payé pour ça avant-hier. So depuis 2000 ans. When you fall tomorrow, he will say I paid for it more than 2000 years ago. Ça chauffe. Là ça commence à chauffer les consciences. J'aime ça. Alléluia. On va répondre à ta préoccupation. On continue jusqu'au verset 28. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Pas pour porter le péché. Et il attend maintenant, si vous êtes sauvés aujourd'hui, il apparaîtra pour quel salut ici. So, if you are saved today, for which salvation will it come here? C'est pour la rédemption de ton corps. For the redemption of your body. Parce qu'en réalité, l'homme esprit porte déjà un sceau. Il porte la vie de Dieu. Because in fact, the spirit man is already bearing a seal. He bears God's life and he cannot sin. He is a perfect man. Est-ce que vous êtes là? Pardon, continue jusqu'au verset 3 du chapitre 10. Chapter 10, from verse 1 to 3. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offer year by year continually make the commerce thereunto perfect. For then will they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 3. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais,
par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant, une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Ces sacrifices qu'on fait tout le temps, c'est comme pour renouveler dans leur conscience, leur dire que le péché est toujours là. The sacrifices that we made all the time is just to recall to them on n'a pas pu le traiter. The sin is still there. We couldn't les deal with it. Les sacrifices que nous avons ici ne sont que temporaires. The sacrifices that we make are just temporary. Pas un travail superficiel. And they're just making a superficial work. Est-ce que vous êtes là? Change your language. Je n'ai pas perdu. You are not lost. Dis, je suis pas perdu. I am not lost. Je suis né de nouveau une fois pour toutes. I'm born again once for all. Ça assoit l'assurance. It brings assurance. Aucun de vous, par sa bonne volonté, ne pouvait stopper l'œuvre de Satan dans sa vie. None of you, through his good will, could have stopped the work of Satan in his life. L'œuvre qui a amené Satan à construire le péché en l'homme était forte. So it means that the work that led Satan to put the sin in mankind was really powerful. En faveur de l'homme est supérieur à l'œuvre de Satan. The work of Christ for mankind is greater than the work of Satan. Parce qu'il a accompli, il a absorbé les œuvres des ténèbres. To what he did, he absorbed the works of darkness, among which the sin. Il dit par son sacrifice, il a aboli le péché. He said that through his sacrifice, he put away the sin. And I believe in that sacrifice. Ce sacrifice m'a donné une vie spéciale. That sacrifice gave me a special life. The life of resurrection. La vie de sainteté. The life of holiness and righteousness. La vie divine. Divine life. Alléluia. On va se lever. Let us stand up. Ça, c'est la bonne nouvelle. That's the good news. Je suis sauvé maintenant, sauvé demain et après-demain. I'm saved now, tomorrow and the day after tomorrow. Je n'ai aucune crainte dans mon cœur car tout moment Dieu peut me chasser. I don't fear that at any time God can just drive me away. Ma conduite n'était pas une condition pour que cette relation soit rendue possible. My conduct was not a condition for that relationship to be possible. Elle ne sera pas une condition pour que cette relation soit gardée. So it will not be a condition for that relationship to be kept. Il a décidé de m'aimer, de revenir vers moi. He has decided to love me, to come back to me. Alors que j'étais encore un rebelle. While I was still a rebel. Et il m'a scellé. And he sealed to me. Le jour que tu as cru, que tu crois que toute ton attitude était déjà parfaite. The day when you believe was your attitude perfect. Mais malgré tes imperfections, tu étais scellé. But despite your flaws, you were sealed. Imperfections dans l'âme hein, et dans le corps. Flaws in your body and in your soul. Il y a l'âme qui m'ont toisé deux fois depuis qu'on est là. Mais le sceau reste. Tes toisages ou toisements ne peuvent pas enlever le sceau. C'est un sceau trop fort. That seal is a powerful seal. Ce n'est pas le forgeron du quartier qui l'a mis. It was not put by the blacksmith in my neighborhood. Ce n'est pas le marabout qui t'a scarifié. Ce n'est pas les It tatouages de quartier. It is not the scarification or the tattoos of the witch doctor. Qu'on peut effacer avec un vernis fort. That you can remove using. Une chirurgie esthétique. Make by making a surgery. Oh, quel bonheur éternel. Le salut que Christ m'a donné. Son grand amour qui m'a tout pardonné. Sacrifice obtained for us eternal. An eternal redemption.
La rédemption d'un homme est fonction de la valeur du sacrifice. Someone's redemption depends on the value of the sacrifice. Il y a des commerces qui ont bénéficié d'une rédemption peut-être de 7 ans. There are trades that are enjoying 7-year redemption. Au bout de 7 ans, les choses se sont encore brouillées pour encore qu'ils aillent faire un sacrifice. After 7 years, things were changed and they have to make a sacrifice again. Il y en a qui se sont mariés par des pratiques très bizarres. There are some people who got married using herbal practices. Au bout de 3 ans, l'homme ne veut même plus la sentir. Il faut qu'elle aille renouveler le sacrifice. So after 3 years, the man does not want to be with her anymore, and she has to renew. Dans le sacrifice qui lui a donné le mariage, c'était pas une fois pour toutes. So the sacrifice that gave her the marriage was not once for all. Le féticheur lui a dit, c'est au bout de 3 ans. The witch doctor told her after 3 years. Donc quand les 3 ans approchent, elle manque de paix. So when the 3 years are coming, she lacks peace. Une paix d'une validité de 3 ans dans son mariage. She received a 3-year peace. Parce qu'au bout de 3 ans, si elle ne renouvelle pas le sacrifice, l'homme là va se réveiller de l'envoûtement. Because after 3 years, if she doesn't renew the sacrifice, that man will be awakened from the spell. Va se réveiller un matin et dire que toi tu fais quoi ici? And one morning we wake up and say, what are you doing here? Mais chérie, je suis ta femme. Mais non, mais je suis ta femme. But I am your wife. Is it you? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais ici? What happened to me? What are you doing here? C'est quel point ça? Ouais, le sacrifice, la chose qui le liait sur la barre du sacrifice, elle dit non, tu n'as pas payé depuis. The thing that was binding or holding him based on the sacrifice said, you have not paid for a while now. Mais la Bible dit dans Romains 5, verset 1, tendons maintenant en paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus. But Bible says in Romans 5, verse 1, that now we have peace with God through Jesus' sacrifice. Si c'est par le sang de Jésus, cette paix-là nous est offerte pendant combien d'heures? If it is with Jesus' blood, for how long is that peace offered to us? Quelle est la valeur du sacrifice? What is the value of the sacrifice? Jusqu'à ce que tu fasses une bêtise. Till you make something bad. Dans tes bêtises, il a fait le sacrifice. When you were doing those bad things, it made the sacrifice to grant you peace. J'étais en train de finir et puis je disais que pourquoi tu dois éviter le péché. J'ai dit, première chose, c'est quoi? Le péché introduit Satan dans ton âme. I was saying why you must avoid the sin. The first thing is that the sin will introduce Satan in your soul. J'ai dit encore que tu n'as plus à vivre dans cette nature. Puisque cette nature est morte, une nouvelle nature a surgi, vie selon la nouvelle nature. I say that you must no more live in that nature because that nature is dead and you have a new nature. You have to live according to the new nature. Autre chose, le péché te bloquera le ciel. Ça t'empêche de...